Dans cette édition, les audiences du président de la République Alassane Ouattara, le chef de l'État, a reçu plusieurs délégations étrangères venues participer au Forum international des investissements Côte d'Ivoire. Parmi ces délégations, celle du Burkina Faso. ICI 2014, le Forum international des investissements Côte d'Ivoire, a refermé ses portes cet après-midi. Selon le Premier ministre ivoirien, ICI 2014 est une réussite. La destination Côte d'Ivoire intéresse les investisseurs. Et les fonctionnaires sans poste seront bientôt affectés. L'annonce a été faite ce matin par le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Niamien Kona. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h. Commençons par les audiences du président de la République, Alassane Ouattara. Le chef de l'État a reçu plusieurs délégations étrangères venues participer au Forum international des investissements Côte d'Ivoire. Parmi ces délégations, celle du Burkina Faso. Elle est conduite par le Premier ministre burkinabé Luc Adolphe Thiaw. Il est arrivé avec une dizaine de ministres et 120 opérateurs économiques. On fait le point avec Viviane Aymer. Le Burkina Faso ne pouvait être absent à ce grand rendez-vous qu'est le Forum Investir en Côte d'Ivoire. Une dizaine de ministres et 120 opérateurs économiques venus de ce pays voisin participent à ce forum. Cette importante délégation est conduite par le Premier ministre Luc Adolphe Thiaw, qui a rendu visite au président de la République au palais présidentiel. Occasion pour le Premier ministre burkinabé d'échanger avec le président de la République sur plusieurs projets dans le cadre de la coopération entre les deux pays. J'ai saisi l'opportunité également aussi pour rendre compte au président de la République de Côte d'Ivoire l'état de nos relations, notamment la mise en œuvre des recommandations du traité d'amitié. Comme vous le savez, nous avons d'énormes chantiers qui sont actuellement en exécution, d'autres sont en projet. C'est le cas du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Tambao, c'est le cas de l'autoroute, c'est aussi le cas de l'énergie, c'est le cas donc du transport du gaz par pipeline. Bref, on a beaucoup de chantiers avec la Côte d'Ivoire. Et nous constatons que les opérateurs économiques burkinabés s'intéressent vraiment de plus en plus, s'impliquent davantage de plus en plus dans les investissements en Côte d'Ivoire et vice-versa. Le Premier ministre burkinabé a aussi saisi l'occasion pour présenter Africaya, le forum économique qui se tiendra fin février au Burkina Faso. Structure de financement spécialisée dans le financement des PME africaines, Investir et Partenaires, en abrégé IEP, est également présent à ICI 2014 avec un projet d'aide à la création de petites entreprises en Côte d'Ivoire. Projet que le gérant de cette structure est venu présenter au président de la République. IEP, Investisseurs et Partenaires, est une société d'investissement qui est consacrée à la promotion d'une nouvelle génération d'entrepreneurs africains. Et nous sommes venus rapporter au président les progrès de notre activité en Côte d'Ivoire. Nous avons plusieurs autres investissements en perspective cette année et nous souhaitons notamment mettre en place un nouveau fonds d'investissement spécialement en Côte d'Ivoire pour les très petites entreprises, pour investir en capital dans les très petites entreprises ivoiriennes. Nous pouvons investir depuis quelques dizaines de milliers d'euros jusqu'à environ 1 milliard de francs CFA. En fonction de la nature des projets, de leur taille. Et nous sommes toujours des investisseurs minoritaires, c'est-à-dire que nous souhaitons que les entrepreneurs demeurent les propriétaires et, si possible, les principaux actionnaires de leur société. Le forum ICI offre ainsi de multiples perspectives pour l'émergence de l'économie ivoirienne. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a visité tous les stands dressés par les participants au Forum Investir en Côte d'Ivoire. Dans ces stands, appelés Village ICI 2014, il y avait de l'affluence. Le reportage est signé Alexis Ouedraogo. Fin des audiences et aussitôt au programme une visite des stands d'Investir en Côte d'Ivoire. Objectif, s'assurer que tout se passe pour le mieux pour chaque participant. Au stand de Air Côte d'Ivoire, le PCA, le général Koulibaly, se réjouit de l'initiative. C'est un grand succès. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez les bailleurs de fonds qui ne sont pas loin. Et je crois que pour nous, c'est vraiment l'occasion, bien sûr, de pouvoir trouver de l'argent pour
pour que notre compagnie puisse aller de l'avant. Au stand de la santé, le ministre Raymond Kofikoudou a tenu à recevoir le chef du gouvernement. Elle annonce que la moisson a été bonne. À ce jour, nous sommes à 13 investisseurs qui se répartissent aussi bien au niveau du financement, au niveau de la réhabilitation des équipementiers, également au niveau des services. Idem dans plusieurs autres stands où l'on attend pour les semaines à venir des accords fermes d'investissement. Événement marquant de cette tournée, la rencontre entre le chef du gouvernement et le président du Front populaire ivoirien. Poignée de main chaleureuse et ambiance cordiale, Afine Guesson n'a pas voulu se faire compter investir en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre, lui, s'est réjoui des bons points du forum. De ce qui revient, c'est que beaucoup de contacts d'affaires ont été faits. Je pense que globalement, nous allons tirer la leçon, bien sûr, de ce forum et faire en sorte qu'il y ait un comité de suivi en place pour que chaque engagement qui a été pris soit respecté. Il a annoncé pour bientôt le Sahara, le grand rendez-vous de l'agriculture dans le pays. Et le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et son homologue burkinabé se sont entretenus. Luc Adolphe Thiaw est venu participer à ce forum accompagné d'une dizaine de ministres et 120 opérateurs économiques. Le reportage d'Hugues Vibli. De hautes personnalités sont présentes à ICI 2014. Au nombre de celles-ci, le Premier ministre burkinabé, Luc Adolphe Thiaw. Le rendez-vous qu'il a eu avec le Premier ministre ivoirien en marge du Forum Investir en Côte d'Ivoire 2014 a été consacré à bon nombre de sujets communs à leurs deux pays. Nous avons échangé sur un projet important auquel tiennent nos deux chefs d'État. C'est un pipeline qui devrait amener le gaz naturellement d'Abidjan à Ouagadougou. Le projet est en très bonne voie en Côte d'Ivoire. Et nous pensons que également sur le Burkina, ça se fera très prochainement. Ensuite, nous avons parlé des mines. Bref, avec la Côte d'Ivoire, on a beaucoup de points d'échange. Mais ce qui est intéressant, c'est que les dossiers avancent très bien à la satisfaction donc, des deux gouvernements. Figure parmi les personnalités avec lesquelles le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a échangé des patrons d'institutions financières internationales. Tous ont marqué leur volonté d'accompagner la Côte d'Ivoire émergente. Alors, notamment depuis 2011, on a accordé 200 millions d'euros de nouveaux financements, beaucoup dans le financement de projets d'infrastructure, puisque c'était en fait les priorités du gouvernement de travailler sur ces projets d'infrastructure pour soutenir la reprise économique. Et nous avons l'intention de poursuivre l'augmentation de ce portefeuille dans les prochaines années. Depuis la fin de la crise, la BEAD a investi plus de 250 milliards de francs CFA ici. Alors je suis aussi venu dire au Premier ministre que la BOAD est contente d'être le premier bailleur de fonds de financement des infrastructures de transport en Côte d'Ivoire. Nous pensons que le plan national de développement va dans la bonne direction avec l'espoir évidemment qu'en 2020, la Côte d'Ivoire deviendra un pays émergent. Si la Banque Rothschild peut aider, peut prêter son concours, à la Côte d'Ivoire nous en serions très honorés. Les hommes d'affaires ont été également reçus par le Premier ministre jeudi. La Côte d'Ivoire offre de nombreuses opportunités qu'ils ne voudraient pas manquer. Leur volonté d'investir en Côte d'Ivoire, pays porteur, ils l'ont exprimé au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Il n'a pas manqué de leur signifier l'engagement du gouvernement à les accompagner dans leur volonté d'investissement et d'en faire une réalité. ICI 2014 a rassemblé depuis son ouverture mercredi près de 3000 hommes d'affaires venus du monde entier pour saisir des opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. La cérémonie de clôture officielle a eu lieu cet après-midi. ICI 2014, selon le Premier ministre ivoirien, est une réussite. La destination Côte d'Ivoire intéresse désormais les investisseurs. On fait le point avec Jean-Jacques Amiala. 3 733 participants, investisseurs internationaux et nationaux, porteurs de projets venus de 103 pays, ont pris part au forum Investi en Côte d'Ivoire ICI 2014. Chiffre qualifié de record par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et qui confirme l'intérêt et la confiance retrouvée des investisseurs en la Côte d'Ivoire. À la cérémonie de clôture du forum ICI 2014, le commissaire général du forum a remercié les participants pour leur engagement au secteur privé ivoirien et de la sous-région. Ici, cette semaine, elle est revenue sur les potentialités d'investir en Côte d'Ivoire, un pays qui veut être émergent. C'est pourquoi il a insisté sur les réformes pour améliorer le classement de la Côte d'Ivoire au prochain rapport Doing Business. Et ces réformes, ce sont les infrastructures publiques,
via l'amélioration des recettes fiscales, la promotion de l'initiative privée, l'inclusion par la création d'une classe moyenne capable de consommer, ce qui exige le renforcement de l'investissement dans la formation et dans l'accès à l'emploi. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, parlant des statistiques du forum ICI 2014, a relevé que 1280 participants sont venus de l'étranger et les nationaux 2262 ont pris part. Daniel Kablan-Duncan rassure les investisseurs que les promesses à ICI 2014 ne resteront pas sans suite. Le gouvernement va y travailler. Je souhaite que les promesses d'investissement soient tenues. C'est pourquoi le gouvernement s'attellera à mettre en œuvre un comité de suivi qui rendra compte mensuellement au gouvernement de la mise en œuvre des engagements des différentes parties. Pour joindre l'acte à la parole, deux conventions ont été signées. La première entre le CPC et la DEG, une institution européenne, et la seconde entre le CPC et une agence de développement éthiopienne. Avant de prendre congé de son auditoire, Daniel Kablan-Duncan a donné rendez-vous aux investisseurs à la cinquième édition de ICI prevue en 2016. Ce vendredi, troisième journée du forum ICI 2014, les débats ont porté essentiellement sur l'émergence des PME et PMI. Des pays sont cités en exemple. Voyons l'expérience du Burkina Faso sur la question du financement des PME. C'est avec notre reporter Noël Niagno. Les PME, petites et moyennes entreprises, troisième préoccupation majeure des organisateurs de ICI 2014. La problématique, comment les rendre viables? Avec quels moyens innovants et novateurs? Un panel et des sous-thèmes ont servi de cadre d'examen de la question. PME, moteur de développement régional. Le panel, présidé par le Premier ministre du Burkina Faso, entouré de financiers et de personnalités de référence du secteur privé, avec une expérience pratique de réussite. Nous avons des jeunes entrepreneurs depuis toujours qui ont toujours su innover, s'adapter, adapter leurs produits d'abord aux besoins locaux, adapter donc leurs produits à l'exportation. Alors, bien sûr, maintenant que l'État burkinabé, comme dans la plupart des pays, institue un cadre légal, un cadre institutionnel qui favorise effectivement donc, le développement donc, des petites et moyennes entreprises. Nous avons un code des investissements qui offre des facilités quand même très importantes pour ceux qui commencent à créer leurs entreprises. Le développement de la sous-traitance, les instruments et mécanismes de financement, facilité d'accès aux marchés régionaux, facilité fiscale, juridique, dispositifs régionaux, des sous-thèmes pour vider totalement la question. Un début de solution en Côte d'Ivoire, une loi est adoptée en Conseil des ministres avec à la clé doubler le nombre de PME de 50 000 à 100 000 et leur contribution au produit intérieur brut de 20 à 40%. Les acteurs, c'est-à-dire des dirigeants des PME, ont leur idée de la question. Je suis convaincu que l'Afrique, en particulier la Côte d'Ivoire, doit s'inscrire dans cette dynamique, de professionnaliser les métiers, et que pour professionnaliser les métiers, il faut impérativement qu'il y ait des PME et PME locales qui puissent rentrer dans cette dynamique de sous-traitance, de mutualisation des efforts, de spécialisation des métiers. Petite, moyenne ou grande, à la Chambre européenne, notre principe moteur, c'est la bonne gouvernance dans l'environnement des affaires. Donc en clair, nous espérons que les pouvoirs publics, dans l'accompagnement du travail des PME qui sont ici souvent depuis fort longtemps, y aient une considération dans les facilitations administratives et leur fonctionnement. Des ébauches de solutions à l'émergence des PME viables, donc à l'avènement de l'émergence, parce que 98% des entreprises ivoiriennes recensées sont des PME. Et vous vous souvenez, près de 3000 participants justement ont pris part à ce rendez-vous du renouveau économique ivoirien. Parmi eux, des dirigeants africains. Ils soutiennent tous que la Côte d'Ivoire confirme son rôle de moteur de l'intégration sous-régionale avec la tenue de ce forum. Notre reporter Noël Niagno nous en parle. Le secteur privé, levier d'une intégration régionale, moteur de la croissance de la Côte d'Ivoire. Une idée généreuse, soutenue par des actes. La présence de hautes personnalités de la sous-région, les vice-présidents du Ghana et du Nigeria, les premiers ministres burkinabés et sénégalais, sans oublier les opérateurs économiques en nombre significatif, 300 environ, les burkinabés 150. Le Burkina Faso est très attaché à la Côte d'Ivoire par des raisons historiques, nous avons des liens très forts. Et c'est pourquoi la délégation que je conduis compte près de 150 personnes, dont environ 120 opérateurs économiques.
c'est toute l'importance que nous accordons à la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire, c'est notre premier partenaire pratiquement dans le monde. La Côte d'Ivoire, c'est notre premier débouché naturel que nous avons sur la mer. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, le développement de la Côte d'Ivoire nous intéresse de très près. Autre expression de cette présence significative des Burkinabés, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso doivent fédérer leurs énergies pour porter loin la volonté d'intégration sous-régionale. Nous souhaitons que dans notre espace communautaire, que la Côte d'Ivoire puisse continuer à aller de l'avant. Parce que vous savez, dans tout espace économique, il y a toujours des pays moteurs. Nous souhaitons vraiment le renforcement des liens d'abord entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Nous avons des programmes importants que nous avons, que nos chefs d'État ont élaborés. Vous savez très bien que nous avons le traité d'amitié Côte d'Ivoire-Burkina. Et à l'intérieur de ce traité, il y a des projets majeurs, comme le projet du chemin de fer, comme le projet du gaz, de l'électricité, etc. Donc ce sont là des éléments concrets d'une intégration qui est en marche. La dynamique régionale pour la transformation économique de l'Afrique de l'Ouest est lancée. Reste à l'entretenir, à la faire prospérer et bonjour à l'intégration vraie, celle des peuples à l'horizon 2020. Conférence, panel, ont meublé le Forum international des investissements en Côte d'Ivoire ouvert mercredi. Les opérateurs étrangers et nationaux ont noué des partenariats, nous explique Francis Boifou. Des échanges entre opérateurs nationaux, entre hommes d'affaires exerçant en Côte d'Ivoire et des investisseurs étrangers. Assis ou debout, une seule intention anime les participants au forum. Investir ou nouer des partenariats économiques. Nous sommes une fonderie de fonte et d'acier. Nous sommes installés à Casablanca. Nous produisons à peu près 2500 tonnes d'acier et de fonte, entre autres des équipements pour les ports. Voilà ce que j'étais en train justement de proposer aux responsables bien sûr du port de San Pedro. Certains opérateurs, eux, sont intéressés par l'immobilier et l'hôtellerie. Effectivement, ils sont intéressés par l'immobilier, par le foncier en l'occurrence. Donc, il faut connaître un peu les modalités d'acquisition, les modalités d'accession à la propriété, de consolidation de droits. D'autres chefs d'entreprise sont attirés par les produits agricoles et l'industrie. On était en train d'échanger sur la manière dont s'échangent les crédits et les débits dans le cadre en fait, du crédit carbone. Ce serait un grand plaisir pour moi que de travailler avec un des plus grands groupes ivoiriens. Outre des rencontres entre opérateurs économiques, on note des échanges francs entre investisseurs et ministres du gouvernement. À la tête d'une délégation d'hommes d'affaires américains, l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire est allé présenter au ministre du Pétrole et de l'Énergie, Adama Tounkara, les secteurs d'activité qui intéressent les Américains qui participent à ICI 2014. Il s'agit des sociétés dans les secteurs d'énergie, dans le logement, dans l'agro-industrie, dans la télécommunication, dans la cybersécurité. Ils sont très très satisfaits des échanges qu'ils ont eus avec les opérateurs économiques ivoiriens, aussi bien que le gouvernement ivoirien. Le forum Investir en Côte d'Ivoire se poursuit jusqu'au 1er février prochain avec des rencontres entre des chefs d'entreprise et des hommes d'affaires. À côté des échanges B2B ou B2C, des panels, des conférences et des expositions. Le tout étant de capter des investissements pour relancer l'économie de la Côte d'Ivoire. Et les opérateurs économiques s'intéressent également au tourisme en Côte d'Ivoire. Avec Alvor Assa, voyons les opportunités d'investissement dans le secteur du tourisme ivoirien. Le tourisme est au cœur du forum investi en Côte d'Ivoire. Les atouts culturels et touristiques des différentes régions du pays ont été présentés aux visiteurs. Et c'est le cas de la région de San Pedro qui comprend les villes de San Pedro et de Tabo. Localités qui ont des sites touristiques à visiter et à revisiter. En plus de nombreuses potentialités que regorge la région de San Pedro, nous mettons en avant effectivement le tourisme. Mais nous mettons plus en avant l'écotourisme, l'agrotourisme et le tourisme de loisirs. Outre San Pedro, les autres régions de la Côte d'Ivoire ont aussi présenté leurs atouts touristiques. Les danses traditionnelles, les montagnes de l'Ouest, les parcs et réserves qui pourront faire revenir les participants de ce forum en Côte d'Ivoire, non pas pour des panels ou des expositions, mais pour prendre du bon temps et découvrir la beauté du pays, ses valeurs touristiques.
Et voilà tout ce que l'on pouvait retenir de cette troisième journée du Forum Investir en Côte d'Ivoire, dont les travaux se sont achevés aujourd'hui. Demain, samedi 1er février, le Forum ouvre ses portes au grand public, toujours à l'Hôtel Ivoire, et l'entrée est gratuite. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, a eu des séances de travail. Il a échangé avec le gouverneur de la BCAO, présent en Côte d'Ivoire dans le cadre du Forum Investir en Côte d'Ivoire. Il était question de la réouverture des agences de la BCAO dans les zones centre-nord et ouest de la Côte d'Ivoire. Le ministre s'est également entretenu avec Dr. John Kilimbe, directeur général sortant du RASCOM, Réseau panafricain de communication par satellite. Et le ministre d'État de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a ensuite reçu une délégation de l'ex-coalition politique au pouvoir, délégation composée d'Alain Dogou, rentré récemment d'exil, de messieurs Firmin Kekré et Gervais Koulibaly, président de CAP-UDD. Il a été question de réconciliation nationale. Je vous l'annonçais dans les titres, les fonctionnaires sans poste seront bientôt affectés. L'annonce a été faite ce matin par le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative. Le ministre Nyamien Konan a échangé avec ses fonctionnaires. Il leur a indiqué, donc il a voulu s'imprégner de leur situation et surtout apporter une solution. Les fonctionnaires sans poste de travail invités à faire connaître leur situation à la tutelle pour examen en vue de leur affectation. L'invitation court à compter de lundi prochain. Elle sanctionne la prise de contact ce vendredi entre les concernés et le ministre de la Fonction publique. Un seul objectif, faire en sorte que tous les fonctionnaires qui émargent au budget de l'État de Côte d'Ivoire aient un poste de travail. En d'autres termes, l'État ne peut pas se permettre de payer des gens à ne rien faire et en recruter d'autres par ailleurs. À cette vision du gouvernement, adhèrent les fonctionnaires sans poste. Ils sont de deux tendances, avec ou sans salaire. La Côte d'Ivoire regorge de cadres qui ont l'expérience et qui ont tout. Et que c'est presque une anomalie que ces personnes-là soient assises à la maison et payées par l'État ivoirien. Mais combien sont ces agents de l'État sans poste et que représentent-ils dans la masse salariale de la fonction publique? Question de la presse. Réponse du ministre. Même leur nombre n'est pas encore arrêté. Mais si vous prenez 1000 fonctionnaires, ça peut vous donner facilement 1 milliard par an. Les rendez-vous de la fonction publique tiennent compte de la corporation et de la complexité de la situation des agents de l'État sans poste, tels que exposés au ministre. Nyamien Kouna exhorte ceux des fonctionnaires sans poste non encore identifiés à le faire. L'opération pour lui ne vise aucunement la sanction, mais plutôt à occuper tous les agents de l'État. Et parlons de l'amélioration des services de base dans les zones centre-nord de la Côte d'Ivoire. Sachez que l'Agence japonaise de coopération internationale a apporté son soutien à l'État de Côte d'Ivoire. Les secteurs de l'hydraulique et de l'enseignement sont concernés par les projets initiés par l'Agence japonaise, nous explique Ami Kanga. 20 écoles et villages du centre-nord du pays bientôt réhabilités. L'hydraulique villageoise de cette zone touchée par les conflits sociopolitiques qui ont secoué la Côte d'Ivoire, aussi concernée par le projet initié par l'Agence japonaise de coopération internationale. Dans le cadre de la mise en œuvre des actions contenues dans le programme national de cohésion sociale et le plan national de développement, le Japon n'a pas hésité à répondre à la sollicitation de l'État de Côte d'Ivoire en acceptant, à travers son agence de coopération internationale, la JICA, d'apporter à notre pays son appui. Des experts japonais travailleront de concert avec d'autres experts ivoiriens sur 3 ans pour permettre à cette partie du pays de relancer son développement. À la fin donc des travaux du comité conjoint de coordination du projet de développement des ressources humaines pour le développement de l'administration dans les zones centre-nord, la reconstruction des infrastructures communautaires deviendra une réalité. Consolider l'implantation de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire sur l'ensemble du territoire national, c'est ce qui ressort de la rencontre entre le président de ce parti politique, Albert Mabry-Touakeus, et les militants. C'était hier, nous dit Gabriel Zani.
L'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire se met déjà en ordre de bataille pour les élections futures. Cet esprit conquérant est chaque fois traduit par les différentes mutations qui s'opèrent au sein des instances de direction du parti. Rassemblé à l'occasion de la nouvelle année, le nouveau secrétaire général de l'UDPCI a réitéré son engagement de gérer avec rigueur les missions qui lui seront confiées. Restructuration du parti, formation des militants, construction d'un nouveau siège, l'UDPCI veut être forte et solide en 2014. Une force que le parti peut aussi avoir avec l'Alliance et RHDP en posant des actions cruciales. Militants et militantes, nous devons tout mettre en œuvre pour consolider nos acquis, renforcer la cohésion interne du parti, afin de faire de l'UDPCI un parti où la discipline et le respect de l'autorité sont nos forces. Le soutien de l'UDPCI à la candidature unique du président Alassane Ouattara aux élections de 2015 est sans réserve. Soutien indéfectible qui se justifie, selon Mabry Troakus, par les avancées notables de l'action gouvernementale, traduites entre autres par l'achèvement de l'autoroute du Nord, le retour imminent de la BAD, la meilleure rémunération du travail agricole. Et on en arrive à cette rencontre entre le président du Front populaire ivoirien FPI et le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Henri Conan Bédier. Le premier responsable du FPI a pris l'engagement de maintenir le dialogue politique pour amener la paix dans le pays et faire de la réconciliation une réalité, nous explique Victorine Yaoyoupoui. 2014 marque le temps de la décrispation et du rapprochement au sein de la famille politique ivoirienne. En témoigne la visite de courtoisie ce jeudi des responsables du Front populaire ivoirien FPI au président du PDC-IRDA Henri Conan Bédier. Après une heure d'échange, c'est avec le sourire que le président du FPI Afingissan s'est adressé à la presse. Nous avons échangé sur la libération des prisonniers politiques, sur la question des exilés, sur la question des problèmes auxquels les militants, je dirais, du FPI sont confrontés. Nous avons évoqué ces sujets. Nous avons sollicité l'implication du président Henri Conan Bédier afin que la résolution de ces problèmes puisse connaître un aboutissement heureux. Nous avons donc recueilli ces suggestions, ces recommandations, ces conseils. Et je pense que c'est une bonne rencontre qui montre que nous pouvons ensemble construire la paix et la réconciliation nationale dans notre pays. C'est un chantier qui dépasse les considérations idéologiques. Et c'est parce que c'est un chantier national que nous sommes venus ce soir pour que, avec le président Henri Conan Bédier et le PDCI, nous puissions travailler ensemble à la résolution ou à faire avancer la Côte d'Ivoire sur le chemin de la paix et de la réconciliation. Le président du PDCI-RDA s'est réjoui de cette volonté du FPI à contribuer à la consolidation de la paix. Que cette année fasse que tous nous nous engageons résolument dans le processus de réconciliation et que la Côte d'Ivoire soit un pays uni, un pays fort et un pays prospère. Tourner dos à la violence pour construire une Côte d'Ivoire où il fait bon vivre pour chacun. C'est à cela que les leaders politiques invitent aujourd'hui l'ensemble de la population. Et cette note triste, le monde de la recherche en Côte d'Ivoire est en deuil. Le docteur Mamadou Diomandé, président fondateur de l'AISA, l'Association ivoirienne des sciences agronomiques, a tiré sa révérence le mercredi 15 janvier dernier. Ses collègues et amis lui ont rendu un dernier hommage, comme vous le voyez. Une cérémonie a été organisée au siège de l'AISA à Yopougon et elle a enregistré la présence de plusieurs personnalités. Direction à présent l'Éthiopie où le 22e sommet de l'Union africaine vient de s'achever. Les débats ont essentiellement porté sur les crises en Centrafrique et au Soudan du Sud. Les dirigeants africains espèrent le déploiement de casques bleus en Centrafrique. Ils estiment que 10 000 casques bleus sont nécessaires pour sécuriser le pays. Mais en attendant ce déploiement, l'UA souhaite donner plus de moyens à la MISCA, la force africaine, en renforçant notamment les moyens logistiques. Une réunion est donc prévue demain samedi sur la question de financement de la MISCA sur la crise au Soudan du Sud. Les dirigeants africains demandent le respect du cessez-le-feu
et une cessation immédiate des violences. Et vous, retenons que ce qui concentre l'actualité en Côte d'Ivoire, c'est ICI 2014 qui a refermé ses portes cet après-midi. La cérémonie de clôture officielle a eu lieu donc en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan qui indique que le forum a été une réussite. La destination Côte d'Ivoire intéresse désormais les investisseurs. Et retenez que demain, samedi 1er février, le forum ouvre ses portes au grand public à l'Hôtel Ivoire. L'entrée est gratuite. Merci à vous tous de votre attention.